Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon Robert Kiyosaki en français. Donc, dans ces vidéos, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Robert Kiyosaki et enfin les 10 règles d'or de Robert Kiyosaki. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki est né le 8 avril 1947. C'est un entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel. À travers ses livres et les jeux qu'il commercialise, Robert Kiyosaki enseigne le concept d'éducation financière. Il inclut dans le concept la culture d'entrepreneuriat, la formation commerciale et la maîtrise des techniques d'investissement. Son best-seller, et certainement tu le connais pour ça, est Père riche, père pauvre, dans lequel il explique la différence entre son père riche, le père d'un de ses amis d'enfance, et son père pauvre, son vrai père biologique, dans le fait de gérer son argent ou en tout cas d'investir sur l'avenir par rapport à son éducation financière. Il a écrit naturellement beaucoup d'autres livres dont on a vu pour certains la chronique sur sa chaîne YouTube. Je t'invite d'ailleurs à découvrir les playlists et bien la playlist Robert Kiyosaki. On va maintenant passer à ses 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Robert Kiyosaki, c'est d'être toujours un étudiant. Pour lui, à travers la réflexion de la réussite qu'il a pu observer dans sa propre vie, c'est étudier constamment, se considérer comme quelqu'un qui ne sait pas tout, va te permettre en fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Plus tu vas considérer que tu connais des choses, et moins tu vas être ouvert sur la sensibilité d'apprendre de nouvelles choses. En étant étudiant, tu vas commencer à pouvoir apprendre de nouvelles choses. Deuxième règle d'or, c'est avoir l'esprit d'entreprise. Comment puis-je concevoir quelque chose qui va impacter, aider les autres par rapport justement à des choses. Par exemple, dans les exemples qu'on a pu voir dans son livre « Père riche, père pauvre », on observe la façon de faire pour créer une bibliothèque d'enfants en récupérant des vieux livres que personne ne veut et en les louant directement dans un espace donné. Les élèves payaient 1 $ pour uniquement lire des livres qui étaient gratuits pour l'entrepreneur et on rend service, donc trouver cet esprit d'entrepreneuriat. Troisième règle d'or, c'est apprenez à vendre. L'une des qualités essentielles, c'est la vente, parce que finalement, même si notre produit est génial, même si notre produit est attendu ou nos services sont attendus par le commun des mortels, si nous ne savons pas le vendre, si nous ne savons pas en parler, eh bien malheureusement, personne ne pourra le connaître ou bien l'acheter. Quatrième règle d'or, c'est soyez un joueur d'équipe. Réussir un projet, se lancer dans une nouvelle dynamique, nécessite bien de s'entourer de personnes et d'en discuter. C'est en discutant qu'on va avoir des objections sur notre projet et qui va nous permettre de pouvoir reconsidérer, de faire évoluer notre projet du 1.0 au 1.1, au 1.2 jusqu'au 2.0, 10.0, etc., etc. Cinquième règle d'or, c'est s'efforcer de faire mieux, l'amélioration continue, avec très, très certainement la réflexion qu'on a sur le plan, do, check, redo, etc., etc. Tous ces travaux d'amélioration continue va permettre encore une fois d'améliorer l'expérience client et c'est exactement ce qu'on souhaite, c'est améliorer l'expérience client ou l'expérience utilisateur. Sixième règle d'or, c'est chercher des mentors. Il y a des personnes qui ont déjà réussi à obtenir les résultats que vous souhaitez. Et Robert Kiyosaki explique que son père riche était pour lui un mentor parce que cette personne-là n'avait absolument aucun diplôme, aucune éducation financière, mais réussissait à créer des entreprises très rapidement par justement la conceptualisation et le fait d'avoir aussi des personnes qui le motivaient. Et Robert Kiyosaki s'est imprégné de cette éducation, de ce mentor-là, et il s'est aussi imprégné d'autres mentors dans d'autres domaines pour justement apprendre avoir des comportements donnés et aussi devenir une personne qu'il n'était pas en regardant et en étant inspiré par des personnes qui étaient déjà ce qu'il voulait être un jour. Septième règle d'or, c'est faites vos propres recherches. Qu'est-ce qui aujourd'hui existe? Qu'est-ce qui m'intéresse de trouver? Toutes ces recherches que tu vas faire ne sont pas perdues car elles vont permettre de concevoir dans ton idée des choses nouvelles et aussi imaginer des choses que tu ne peux pas imaginer encore aujourd'hui. Huitième règle d'or, c'est devenir un leader. Ne pas uniquement garder ses idées pour soi, mais aussi avoir cette capacité à entraîner les personnes qui sont autour de nous à prendre cette idée et à avancer dans nos projets.
C'est l'une des choses qui a aussi permis Robert Kiyosaki et sa femme de construire le jeu de société pour apprendre l'éducation financière. 8e, 9e règle d'or, c'est avoir une touche personnelle. C'est bien de s'entourer des mentors, c'est bien d'avoir une équipe, mais qu'est-ce que je peux, moi, faire à ma sauce? Qu'est-ce que moi, je veux faire différemment? Quel est mon critère différenciant? Qu'est-ce qui permet finalement, moi en tant qu'humain, d'être différent des autres? Qu'est-ce qui permet à mon entreprise, en tant qu'entreprise, d'être différente de mes concurrents? Cette touche personnelle va faire toute la différence. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est ne pas s'arrêter. Continuer à être un étudiant, continuer à avoir l'esprit entreprise, continuer à apprendre à vendre, continuer à être un joueur d'équipe, à faire mieux, à chercher des mentors, à faire des recherches, à devenir un leader et à avoir un élément différenciant, une touche personnelle. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on passe à la dernière slide, j'aimerais te poser cette question. Que retiens-tu de cette vidéo? Dis-le-moi dès maintenant dans les commentaires pour que l'on commence à discuter ensemble. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, tout est dans la description, y compris les cadeaux. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.